plus présent, même si l'info est arrivée très vite et tard. Mais merci d'être là et on va tous dire, puisqu'on vit quand même aux Antilles, en antillais, en créole, Kemberet Pamoli. La créole, Kemberet Palagé. C'est un mouvement citoyen, je pense que les circonstances font aujourd'hui qu'il fallait effectivement le faire. Mais aujourd'hui, il faut penser à d'autres éléments, notamment, il ne faut pas tomber dans l'islamophobie. Hein. Nous avons des frères musulmans aujourd'hui qui sont modérés, qui sont une communauté responsable. Et il ne faut surtout pas faire l'assimilation entre les extrémistes et ceux qui aujourd'hui vivent avec nous et qui partagent notre communauté et qui partagent nos valeurs. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 12 ans, en Afghanistan, j'étais un soir avec le commandant Massoud et des chefs et des hommes d'État français. Et Massoud nous disait à l'époque, si vous ne m'aidez pas à éliminer l'islamisme radical et terroriste en Afghanistan, notamment Ben Laden et Mollah Omar, l'Occident le payera un jour, le payera un jour dans sa chair. Ce qui s'est passé en 2001, ce qui se passe aujourd'hui. Et on est rentré aujourd'hui dans un élément, dans une phase que les gens n'appréhendent pas. Nous sommes aujourd'hui dans la Troisième Guerre mondiale. Et la Troisième Guerre mondiale, c'est la guerre mondiale du pauvre, où on se bat avec des cutters, on se bat avec des bombes, on se bat avec des kalachnikovs, on ne se bat pas nécessairement avec des moyens perfectionnés. Et cette guerre mondiale, cette Troisième Guerre mondiale, qui est la lutte contre le terrorisme, il ne faut pas rêver, elle ne s'arrêtera pas demain, elle ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Et le dernier élément, c'est que ce matin, c'est bien, on a partagé un moment de fraternité, de solidarité. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que ce combat il soit quotidien, que chacun d'entre nous, tous les jours, tous les matins, s'engage dans la lutte pour la démocratie, contre le terrorisme, en aidant nos amis turcs, nos frères kurdes. Il y a deux mois et demi, j'étais dans le Kurdistan syrien. Tous les jours, vous avez 30, 40 personnes qui meurent au combat contre Daesh. Vous avez des femmes violées, vous avez des enfants torturés, vous avez des hommes tués. Et ces gens-là, là-bas, les Kurdes syriens, les Kurdes des Peshmerga en Irak, se battent pour nous, ils se battent pour la démocratie. Donc si je peux dire quelque chose, le combat, il ne s'est pas arrêté ce matin. Ce n'est pas la minute du silence de jeudi qui va arrêter quoi que ce soit. Ce n'est pas notre manifestation de ce matin qui va arrêter quoi que ce soit. C'est notre combat quotidien, notre engagement quotidien qui feront que les choses vont changer. Aidant les gens qui se battent pour nous en Kurdistan, aidant les gens qui se battent pour nous au Mali, aidant les gens qui se battent pour nous en Afghanistan. Et là, ensuite, nous triompherons contre le terrorisme et contre la barbarie. Il a marché pour son avenir, il est déjà fatigué, tu vois. C'est ça. Oui, normalement, après cette marche, on peut dire que c'est une marche, c'est une réussite. Quelles sont vos impressions ? On est très contents d'avoir réussi à mobiliser du monde en si peu de temps. Très fiers aussi de voir que les gens ont répondu présent. On voulait faire parler haut et fort notre voix et faire en sorte qu'elle arrive jusqu'à Paris aujourd'hui. On est français. Aujourd'hui, on défend les valeurs de la République. Démocratie, droits de l'homme. On défend la liberté, l'égalité, la fraternité. Et c'est des droits pour nos enfants et pour le futur. Donc on ne pouvait pas ne pas participer à ça. Ça nous a touchés en plein cœur. Même si Paris est loin de nous physiquement, on est touchés. On émotionnellement, est humainement. On est sur une île. Je ne sais plus combien il y a de nationalités différentes à Saint-Martin. C'est l'humanité qui a été touchée dans ses droits. Et on pouvait pas ne pas faire entendre notre voix. Voilà, donc on est content parce que grâce aux réseaux sociaux, on a réussi à mobiliser du monde aujourd'hui. Grâce à Michel qui a su nous mobiliser les uns les autres. Et on est très fiers d'être là aujourd'hui. Faut-il avoir peur de la menace terroriste en ce moment ? Bien sûr qu'il faut avoir peur. Je pense qu'il faut avoir peur. C'est mon sentiment. J'ai peur.
j'ai peur. Mais par contre, voilà, je veux qu'on sache que même si j'ai peur, je suis là. Et je me battrai quoi qu'il arrive pour mes enfants et pour notre futur. Voilà, c'est notre pays, c'est le fondement de la démocratie, il est né en France. Il est hors de question qu'on ne se batte pas pour ça. Ce n'est pas des gens se sont déjà battus en France pour ces droits-là. Et on n'a pas le droit de les bafouer. C'est l'humanité entière. Parce que c'est pour la France, bien sûr, mais il ne faut pas oublier tout ce qui se passe dans le monde. Les enfants, les femmes qui sont maltraitées, qui meurent pour tout ça. Donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Et là, je pense que la France est coude à coude et se bat aujourd'hui contre ça. Et nous, on est ici en France et on est obligés de faire la même chose. C'est main dans la main et coude à coude avec eux. Grand Black, je nous connais qui c'est une artiste qui a fait un travail très positif ici à Saint-Martin, une artiste haïtienne que nous gagnons qui a fait un travail positif ici à Saint-Martin en parlant où c'est un acteur, où c'est un compositeur, interprète, où fait théâtre. Finalement, quelle sensation on sentit, quel feeling qui prend pour que vous participez dans le match ça jeudi à pour défendre la liberté, particulièrement la liberté d'expression, la liberté. Bon, ça l'a vraiment touché, c'est comme si. C'était en Haïti, j'ai vu un tremblement de terre. Tout bonnement, on y crée des conseils pour attendre. Ou sortir pour ne pas rentrer la caille, ou terroriste Kimbo lui assassiner à coup de zame. Mais ça ne peut pas me faire bien, étant que haïtien. Parce que nous, tous ces sang qui nous viennent, nous. Parce que blessé blanc, blessé noir, c'est même sang rouge là qui coule. Parce que ça, il vraiment touché. Il fait mal en pile. Pas oublier, ma vie sur le territoire français, il a toujours frappé. Peut-être que c'est Saint-Martin, ça doit arriver. Parce que moi, je vis Saint-Martin, je vis sur le territoire français. Ok? Mais il y a un pile d'autres personnes qui sont proches, qui ont crié. Je pense qu'il y a un pile d'autres Saint-Martin qui ont des familles, qui sont victimes. Dans ce qui fait là. Parce que ce n'est pas un plaisir, comme nous ne sommes pas gourmés contre les terroristes là. Même les nous gourmés contre les terroristes là, privés de frapper nous quand même. Ok? Mais est-ce que vous partagez un sentiment de peur, même genre avec la plupart des gens qui vivent sur le territoire français? Parce que même gens. Que en pile monde selon eux-mêmes ils disent que la France pas à l'abri. Est-ce que vous avez un sentiment de peur? Bon, moi obligé peur parce que moi là parce que si gagne un bagage qui passait ou pas je me connais, si c'est pas moi qui touche le doigt son famille, le doigt son ami proche moi, tout même obligé peur. Vous comprenez? Donc est-ce que présence ou non marche ça c'est marqué étant que présence de nous haïtiens qui pas en majorité qui pas en majorité dans marche là est-ce que c'est une façon pour dire ben oui nous haïtiens nous conscients de gravité de problème non, en France donc nous porter contribution nous porter support nous avec l'ensemble de français l'ensemble de monde qui vivent particulièrement à Saint-Martin c'est ça bon c'est ça que moi fais même cela veut dire moi voulais représenter haïtien parce que c'est un côté m'a sorti alors m'a sorti ba yon sidi nan SOS Radio OK qu'on y a et puis pendant pour aller moi deux journalistes et télé éclair qui c'est Jonas et puis les me garder moi ouais Kerry et qui c'est toujours et journaliste et éclair news me dit ah bon moi journaliste sérieux là me dit ah bon me font paraître pour me connaître qui ça qu'a fait Mbagé t'a joindre nous qui t'a rentré dans mitan foule là et puis moi gendarme yo campé dans la rue m'a demandé gendarme est-ce que son match pacifique qui a fait contre ça qui passé en France là yo dit oui me dit ah bon les moi j'aime moi m'baou rappeler là m'baou haïtien me dit eh non faut me faire acte de présence pas maintenant parce que haïtien lui même il toujours là pour faire preuve loi devant côté qu'il passé mais moi me fait preuve haïtien pas maintenant positivement OK moi présenter bout drapeau bleu rouge là Eh bien bon merci Grand Black et merci pour participation dans match pacifique ça Eh bien merci Kerry Et merci Jonas et continuez ce travail là monsieur parce que believe me Télé Éclair is number one in Saint-Martin. In Saint-Martin, you know what I'm saying? Okay. Je veux parler. Qu'est-ce que tu vas dire? Je vais dire que c'est pas bien. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es venu là aujourd'hui? Ben je suis là pour montrer que je suis du côté, je suis pas du côté des terroristes et que j'espère qu'ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. D'accord, merci. Merci. Oui. Merci. Pourquoi tu es là aujourd'hui? Bah parce que c'est pas bien ce qu'ils ont fait et j'espère que ça va rentrer en ordre. Et c'est pour montrer aussi que
ceux qui n'ont pas, les filles qui n'ont pas le droit d'aller à l'école, bah, elles peuvent quand même. I am Charlie. Oui, en fait, bonjour madame. Bonjour. Vous allez nous dire votre nom juste avant. Alors, je m'appelle Nadia Agapé. D'accord. Normalement, vous étiez là avec nous en renfort, ou du moins, vous étiez là avec nous juste pour soutenir la liberté de l'expression, la liberté en soi. Quelle est votre sensation? Eh bien, moi, je suis un peu triste parce que je trouve normal d'être là. Il y a eu des innocents qui sont morts. Tout le monde dit que, ben oui, la France est à 8000 km, mais ça peut aussi nous arriver parce que les gens voyagent. Donc, ça, nous sommes aussi concernés. Et pour moi, je me devais d'être là, même si c'est dimanche, même si je travaille demain. Ce que je regrette, c'est que nous n'étions pas nombreux. Je sais que c'est un jour d'église. Nos élus n'étaient pas présents. Mais le peu que nous sommes, ben, je vais dire que nous étions multipliés. Nous comptions pour 3 ou 4. D'accord, c'est bien. Mais est-ce que vous avez un sentiment de peur comme la plupart des gens qui vivent à Saint-Valentin? La peur, elle doit être présente, mais ça ne doit pas nous empêcher de faire ce qu'on a à faire. Parce que qu'on ait peur ou pas, si ça doit nous arriver, ça va nous arriver. Parce que la policière, elle était en train de faire son travail. Elle travaillait, elle n'avait rien demandé à personne et ça lui est arrivé. Donc je me dis que la peur, non. Il faut qu'on soit vigilant si on voit un paquet, si nous voyons des choses étranges, il faut le signaler. Mais la peur, elle doit être présente en permanente, mais ne pas nous freiner dans ce qu'on a à faire. D'accord. Il y en a pas mal de gens qui pensent qu'on doit donner une autre éducation, surtout à la jeunesse montante, vu qu'à la montée du terrorisme. Vous êtes de cet avis? Qu'est-ce qu'il faut donner comme éducation? Moi, je dis que la première des choses, c'est déjà aimer nos enfants, les vouloir, les aimer, ne pas les abandonner dans la rue. Les enfants, c'est notre richesse. Il faut les vouloir avant de décider de les faire comme ça, juste au petit bonheur, la chance. Un enfant, c'est du travail, c'est un vrai travail à plein temps. Il faut aimer, il faut être derrière nos enfants. Après, ben, quand ils voyagent, on ne sait pas, ils peuvent changer, mais il faut leur donner un minimum d'éducation, ne pas les laisser grandir seuls. D'accord, merci madame. De rien, à bientôt. Monsieur Yon, grand bonsoir pour nous toutes, même gens que nous connaissons d'ici. Après, durant la semaine, tu as pas mal d'attentats qui étaient faits en France. Donc, tu as une marche républicaine qui est faite dans tout le territoire français, particulièrement ici à Saint-Martin. Donc, nous te prenons part avec marche ça, côté que pour que nous-mêmes aussi, étant que haïtiens, étant que journalistes, pour que nous défendions la liberté de l'expression, la liberté d'opinion. Donc, c'est dans l'objectif ça que nous t'es participé dans marche là, côté que tu es capable de remarquer que pas mal de monde t'es dans marche silencieuse ça pour que tu es capable prend et défend à qui ça, qui c'est la liberté d'expression. Donc, c'est comme ça, on est capable de remarquer que nous faisons pas mal d'interviews avec des Haïtiens particulièrement, donc qui sont très motivés aussi pour que eux-mêmes yo prennent part avec Massa et c'était en fait une réussite pour nous. Donc, plus d'infos pour lundi si Dieu veut.